Et rebonjour tout le monde, c'est Exa. On se retrouve avec la lampe qui vient en plein dans ma gueule. D'ailleurs, on va la tourner un petit peu. Voilà, le fun. Aujourd'hui, donc, on va re-affronter Giovanni. Voilà, parce qu'on a la niaque de vaincre et que c'est le fun, Giovanni. Donc voilà, donc on se met même pas devant lui, tu vois. On se met à côté de lui pour bien faire voir qu'on est un petit peu égal, tu vois, pour l'instant. Donc on le re-affronte. Alors on gagnera peut-être pas l'XP. Je sais même pas si on gagne d'XP. Enfin bref, voilà, le fun. Hop, on va même pas placer les chinois. On rigole pas. Air bizarre. Enfin, Floyza, il est là pour faire Petal Dance. OHKO, ça dégage. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'il envoie ensuite? Un Onyx. Petal Dance. Bonjour, bonsoir. Et on aurait vraiment pu se le faire avec Gyarados la dernière fois. Allez, gros Petal Dance. Quoi, Onyx, c'est plus rapide? Ah oui, d'accord, oui, donc très bien, donc c'est le fun. Et là, mon gars, si Florizarre n'est pas influencé par sa tête et qu'il refait un Petal Dance. D'accord, il fait taunt, très bien. Oh là là, et là. D'accord, bon, ça ne l'a pas tué, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va envoyer un suicide, voilà, on aime bien les petits suicides de temps en temps, voilà, écoutez, voilà, on va faire malédiction, s'il nous tue pas, s'il nous fait une attaque normale, genre ça, bah c'est très bien, genre voilà, genre c'est le fun. On va faire curse, bien évidemment. Alors est-ce qu'on est plus rapide qu'un personnage? Je pense pas. Pouvoir gemme, ok, bon il est trop bas level, il est trop bas level, c'est normal, vous inquiétez pas, on va y coller le singe. On envoie Colossinge, on va arracher ce Persian. Tu vois, on va le prendre, on va l'arracher avec les dents. C'est dommage qu'on l'ait perdu la première fois. J'aurais su, j'aurais perdu contre un dresseur un peu plus random où j'aurais fait carrément chemin inverse. En fait, j'aurais dû faire chemin adverse, mais bon, c'est pas bien grave. Karate Chop, on le tue pas. Putain, le manque de puissance. Ouais, donc du coup, derrière, il nous tue. Ça me paraît logique. Il nous tue. Oh là là, ok, il nous tue. Ok, nous tue. Le truc qui est cool, c'est qu'avec Recoupes, on va gagner masse money, mon gars. Pas du tout, non, c'est vrai qu'on gagne plus d'XP, putain, dommage. Dommage, on gagne plus, on gagne pas les boulasses. Mais au moins, on le tue avec un quick attack. Voilà, je savais que ce Pidgeotto allait me servir tôt tard. Voilà, la petite win. Ah, oh, non, mais quoi, mais c'est quoi ce Persian invincible? Non, mais attendez, les mecs, quoi, please. Putain, respectez-moi. Ok, bon, on envoie l'éviator. Voilà, on en a marre, voilà, et putain, et il s'est fait, il arrache pratiquement la moitié de notre team, ce bordel, quoi. Et son arrêt, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être, du coup, Power Gem, ça fait quand même des dégâts, c'est quand même ouf, hein. Alors que c'est pas du tout un type rush, ça, ouais. Et New King en dernier, ok, donc là, on part sur un gros Aquatail, derrière. Oui, bon, ok. Suppose de Ned, ok, bon, il meurt. Donc je pourrais même pas le soigner. Merde. Merde. Ok. Ok, vous inquiétez pas. Il nous reste Nido King et Venusaur. Il lui reste environ 40 HP. Je pense qu'on le tue simplement avec une Petal Dance. Bien placée, tu vois, bien en mode. C'est quoi ça? Ça nous a tué, non? Oh, coup critique! Bon, en fait, ça nous tue peut-être de base. Mais c'est quoi cette attaque de mort? C'est pas abîme. Non. S'il vous plaît. Ah, il est confus. Oui. Oh là là. Mais qu'est-ce qui me vend du rêve, ce Nido King, des fois? Oh putain, je suis pas du tout choqué déçu, hein. Oh là, alors là. Oh là, donne-moi le badge, donne-moi mon badge direct. Non, mais sérieusement, quoi. Battu par un Nido King level 28, est-ce que tu as mon job fané? D'accord, donc il est parti, le fun. Et donc, du coup, c'est bon, là? Est-ce qu'on peut récupérer ça? Je sais pas du tout à quoi ça sert, ok. Ok, je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à aller voir le fou là tout en haut? Et en vrai, c'est tu vas chercher une clé pour aller rechercher une clé, pour revenir chercher une clé, pour aller chercher une clé, pour revenir chercher une clé, pour ouvrir un truc, pour ouvrir un autre truc, Ah. Bon, je veux pas faire le difficile, mais Non, en fait, c'est au 2, je crois. Bon, je sais plus. Mais allez, hop, très bien. Le floor là, le fun, le floor. Hop. Ok, alors où est-ce que c'était maintenant? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je dirais que c'est par là-haut. Par là-haut.
C'est par là-haut, pas du tout, pas du tout. Ok, c'est pas par là. En fait, je vois que ça, hein, parce que là, on est parti de la salle de l'humanie, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Il n'y avait plus rien d'autre à faire, ma petite gueule. Je pense qu'on va retourner simplement là où on l'avait vu. Alors, est-ce que c'était en haut ou en bas? Est-ce que c'était en haut ou en bas? Allez, moi je dis en haut. Bon, allez, on verra bien. Au pire, c'est qu'un aller-retour. C'est le mec qui joue sa vie. Non, là on loue, là on loue, là on loue. Je sais qu'elle pourra jamais me toucher de là, mais j'ai toujours cette angoisse de. Elle va se retourner et genre. Tu vois, elle fait un petit tour. Et c'est pas le fun. Et c'est pas le fun. Hein. Moi je vous dis, voilà. Ok, alors maintenant, est-ce que ce connard veut bien sortir de là? C'est pas bon. Ouais, bah. Ok, alors. Je sais pas du tout. Là, je vous avoue, je suis perdu. Au pire, si on va voir le petit sergent dehors. Oh putain, cette musique me saoule, les mecs. Ça fait 3 épisodes que je l'ai tout le temps. Bon, on va aller voir. Ok. Alors, attends, on va remonter. Voilà, enfin une musique douce et sereine, bien évidemment. Jordan qui est là, qui joue au poker. Est-ce que maintenant, si on va voir le sergent Rick là. Il s'en bat les couilles un peu quand même. Attends, il veut me donner un évoli? Yeah. Bruh, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Pour moi, on l'a battu, hein, là. Je dirais quand même. Vous savez quoi, Hunter, il a trop d'écart pour l'instant, donc on va le remettre dans le PC. On va le remettre dans le PC. Voilà, il se sent pas bien, il se sent pas bien. Voilà, il est. Voilà, il est pas compté comme dans la team là, tu vois, il est pas bien. Il est pas bien, donc on va le virer. Juste pour voir s'il y a un évolué, sinon on reprend. C'est le mec. Non mais sérieusement. Please, s'il vous plaît. Je veux aller voler. Tu me donnes vraiment un évolué? Mais je sais même pas ce qu'il m'a dit en fait. Il volait. D'accord, il semble. Ba les couilles. Est-ce qu'on peut passer par là? Non pas du tout. Très bien. Très bien, bon maintenant est-ce qu'on peut affronter l'arène? Une arène. Une arène, une arène. Il n'y a pas d'arène. Il n'y a pas du tout d'arène là. Ah non, non, non. Ah non, là. Non, non. Mais attends, qu'est-ce que c'est qu'on a récupéré là, Virtue Venue? Qu'est-ce qu'on a pu récupérer, Virtue Venue? Star pièce, je sais pas. Ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à voir les Pokémon. Yeah. Attendez, elle est où l'arène sinon? Parce qu'en fait, j'ai plus envie de faire l'arène là. Un peu quand même. Hein. Je vous avoue que là, voilà, c'est pas tellement le fun. Hein. Attendez, attendez. Vous savez quoi? Au grand moyen, les grandes raisons. Comme on dit, voilà. Quoi de mieux que le direct pour subvenir au direct? Bien évidemment. Du coup, le fun est parmi nous et parmi vous. Du coup, nous allons appeler Kobuza, bien évidemment, qui est donc, je l'espère, sur Skype, parce que le fun, parce que le fun. D'accord, mon Skype qui met très très longtemps à se lancer. Du coup, nous allons parler de notre vie personnelle. Vous voyez, ceci est un très très beau téléphone, un très très beau téléphone, ma petite gueule. Voilà, est-ce que ça veut bien se lancer? Voilà, donc ça c'était le bruit de Skype. Très bien, vous inquiétez pas, c'était pas le vôtre. Hop. Je vous avoue que là je suis complètement bloqué. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Oula, 3 messages, bah dis donc. Oh putain, bah dis donc, c'est le fou. Attendez, hop, on va aller voir qui c'est qu'il y a dans ce combo. S'il y a des gens qu'on aime pas, on part, je vous le promets. Ah, il y a KVZ. Allô? Ah bah y'a Xa. Pourquoi Bonjour. tu me cherchais? Non. Oui, Oh, y'a enfin, oui, non. Exa! Quoi? Exa! Tu vas rigoler! Alors, je recorde, hein, si Viens, jamais. on va rigoler! Bref, je Je dis. recorde! Oui. Qui c'est qui parle là? C'est François C'est Perrix. moi! Bonjour! Oui, bon, KVZ! Est-ce que je la fais aussi ou pas? Oui, non, Bonjour! non! Ça vous plaît, la peau de poivre? Bonjour! Oh putain de merde! Bref, KVZ, les gens Oui, quoi? ont Quoi? besoin de toi. Comment on Les fait? gens? Oui, moi surtout. Comment on fait? Est-ce que dans Revolution Online, est-ce que t'as battu Giovanni?
Oui, moi, oui. Non, je sais plus. Attends, je suis perdu. Tu ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire après que t'as battu Giovanni? Bah, il faut que t'ailles à la reine. Ah, mais je suis perdu là, mec. Où est la reine? Si, la reine, mais là, pour avoir la reine, je peux battre les mecs de la Team Rocket. Ah, mais je les ai battus, mais du coup, je peux y aller. Mais non, je ne peux pas. Mais attends, mais moi, j'ai battu Giovanni et tout le bordel là. Mais t'es en train de tourner là? Oui, mais je trouvais pas la solution. Du coup, je me suis censé. Attends, mais pourquoi tu tournes pas avec nous, Saloras? Bah, parce que vous êtes trop loin. Hein? Vous attends, en êtes trop loin en fait. Qu'est-ce que... Alors, à la prochaine rue, tu tournes à droite. Putain de merde. Ensuite, tu... Mec, voilà, ouais, tu tournes pas avec dedans. Nous, mais t'es vraiment une salasse. Mais je vous ai appelé, hein. À 150 mètres, tu tournes à gauche. Attends. Depuis que je suis revenu manger, je suis tout seul quasiment. Il y a KBZ qui était là, Roxas, il est arrivé. Mais sinon, il y a personne qui m'a putain d'appelé. Bon, bref, en vrai, ouais, il y a la reine. Mais c'est où la reine, en fait? Attends, je vais te guider. Elle est en bas à gauche. C'est la Dopole. En bas à gauche. En bas à gauche. Mais normalement, il y a les flics qui peuvent passer. Oui, bah voilà. Mais du coup, il faut passer là où les... Normalement, la Team Rocket, elle t'empêchait de passer et couper des herbes. Bah, tu passes derrière. Mais non, moi, il y a toujours la Team Rocket. Et ben voilà, c'est là où je suis bloqué. Bah, moi aussi. Et bah, essaie de leur parler et peut-être qu'ils t'attaquent, non? Non, ils bonjour, sont on aimerait passer. Bon, d'accord, il fallait. Je pense que j'ai pas tourné à temps. Mais non, ils sont battus les couilles. Pas... Moi, je me suis dit qu'ABZ doit savoir. Bon, voilà. Bah, non, regardez, mais moi, j'en suis même pas Giovanni pour dire. J'ai pas. Giovanni est très nul au final. Je me suis fait arracher en fait. Attends, mais moi il me bloque là. Est-ce qu'il est mort? Ah non, il est parti. What? Ok, bon, il est parti. Mais tu vois, fallait lui parler au mec de la Team Rocket en fait. Oui, mais tu lui parles, il part, tant bien. Mais genre, il se téléporte. Le fun. D'accord. Ok, donc. Bon, ah, voilà. C'est l'arène ça, d'accord. Ok, bon, on va tenter l'arène en live. Il reste combien de temps? Allez, 10 minutes. Mais t'es en live en plus? Mais il se fout de moi. Non, je suis pas en live, je t'ai dit. J'ai dit en live tout de suite, genre direct. Allez, on va affronter. Bonne soirée. On va affronter le premier connard. Est-ce que tu peux faire les Pokémon et... François Pérus? Bon, du coup, on va quitter Skype. Non, j'arrive. Allez, salut, bonne soirée. A plus. A plus. Hop, voilà, quelle du coup, on répond au message de Skype, au message des abonnés. Et je suis là encore. Hop, allez. Non, mais je fais comme si c'était parfait. On parle à Erika. D'accord, donc ils ont des Chetiflore, donc c'est le fun. Mais pas c'est Chetiflore, motherfucker. Enfin, gros covette sur. Attends, du coup, Chetiflore, je peux faire quoi contre. Acide. Ça veut pas du tout. Allez, un petit Ice Fang de Arbok. Darbok, t'as bien. Ice Fang? Ah, mais oui, Ice Fang, ok. J'ai cru laser glace, j'allais me faire. What? Ah, what? Ah, moi, il a Léviathan, il a Ice Fang aussi. Mais aussi, il faut que je tourne. Et où là? Mais du coup, Darbok, il est utile en fait. Non, en fait, Darbok, il va virer de ma team. Et pourquoi il a Ice Fang? Parce que plus rien de matrice. Ah, d'accord. Bah, vu comme ça, non, c'est vrai que bon. Non, mais Tarbok, en fait, il est très. Ah, d'accord. À part Ice Fang. Bah, après, il servira dans en fait, les arènes. Non, mais il aurait pas eu Ice Fang, je l'aurais vite viré. D'accord. Très bien. Wouah! Giga Drain! Oh, et tu sais pas à quel niveau ils sont. Est-ce que tu dis non. Des Giga Octets? Non? Bah, alors, tu fais pas ça. Je fais pas. Non, mais c'est mieux de dire Giga Drain. Non? Si, c'est mieux. Même en anglais, c'est juste. Est-ce que le Kondrukus? Oui, parce que j'ai tenté de jouer avec le Kondrukus. Avec un poulet. Ah oui, j'ai Dodrio qui peut faire des attaques vol. Des attaques vol contre... Triple attaque ça. Non mais Oddish, est-ce qu'on en parle? Giga Drain. Oh, Gus qui fait aucun dégât. Ouais, donc mon Tortank sert à rien. Ouais, tu mets Giga Drain qui fait beaucoup trop de dégâts, mais sur un Rookoops. Mais ils sont level combien ces putains de sales races? J'imagine qu'ils sont très forts. Voilà, super, on va s'entraîner. Non mais je pourrais jamais le tuer. Hein. Bon, ils sont niveau combien tes Pokémon? Hein? Son niveau combien environ? 35, 39 et 36. Les autres, je les compte pas, ils sont level en dessous de 30. Quoi? Dans la merde, je suis dans la. Mais non, t'es des bons Poké, toi. Ils sont oui, ils sont minimum niveau 35. Oui, bah voilà, MDR. Moi j'aurais pas. Ah, mais t'entends qu'il est niveau 38, tu veux qu'il fasse quoi, wesh? Il est en mode explosion, Giga Drain. En fait, je me suis dit que je vais peut-être pas la passer avec Léviator cette arène, mais si, en fait, peut-être. Parce que c'est le connard qui a Ice Fang. Ouais, du coup, c'est vite que tu nous envoies. Oui, à la nuit. Tu m'en recordes donc, tu parles pas du FN, tout ça, hein, comme c'est d'habitude. Ouais. Quel chien. Il va avoir une très mauvaise réputation. Sur Repro Evolution Online. Alors. Oh, Repro Evolution. On est devenu what de faire. Non, mais j'allais dire sur Pro, mais t'allais pas comprendre en fait. T'allais faire oh là, Repro, comme ça, un truc de merde comme ça. Donc, alors. Ah, vous êtes sur Pokémon ou quoi? What? Ça, il avait pas compris. Bah, tu me dis que tu m'aurais dit Pokémon, j'aurais mieux compris. Hein. Pokémon. What? Mais c'est quoi ces trucs random qu'ils ont? Ils n'ont pas de deuxième Evo pour l'instant. Attends, mais Léviator, il va tous les arracher un par un. Hein.
KBZ, quand je clique sur ce coffre, ça écrit R dans le chat. Allez, ça l'a fini, Jean. Non, ça le fait plus, ça le fait plus, c'est une blague. Regarde. Et vous êtes sur quoi, vous? Bah, sur Minecraft, on essaie de configurer le serveur. Ok. Par contre, quel serveur? On ne sait pas, pas du tout. Quel serveur, pas du tout. Pas triste. Bon, du coup, j'ai arrêté de tourner 3 épisodes, c'est plutôt le fun. Ah, 3 d'un coup? Ouais, le fun. En gros, tu pourrais rater un petit peu au même endroit que moi, quoi. Ouais. Attends, arrête. Ah putain. Ok. Donc ça va être posté vendredi prochain. Allez, bah salut, à vendredi. Mais non, pas vendredi prochain. Samedi. Oh, air bizarre. Allez, samedi prochain. Elle a un air bizarre. Le fun. Ice Fang. Le fun qui est parti. Qui c'est qui est parti? Ce doit être Thibaut. R2. Arrête d'ouvrir ce coffre, y'a rien dedans. Donne le pas au poulet, il va le manger. Le poulet, attends, je peux pas prendre. Mec, Léviator, je suis choqué, il est trop puissant. Mais oui, je t'ai dit. Je te ah oui, il a appris à côté, il en plus. Il y a pas longtemps. Mais oui, vraiment. Oh. Donc c'est le fun. Bon, écoute, je ride mon poulet, moi. Ça. On fait quoi, KBZ? Poulet? Poulet? Non mais ouais, arrête avec tes poulets, bordel de merde. Bordel. Wow, attends, mais mec, mais y a tellement de dresseurs à affronter avant la championne, c'est trop chiant. Écoute, je propose qu'on construise. On va dans ton monde. Ouais, okay, un Ortid, bah, il est le fun. Ortid, Ortid. Dark Moon, bien. The Dark Moon. Eh, elle fait un slash R pour tester. Là-bas. Pour que. Slash, pour... slash R. Oh, une petite boussole. Ouais, clé. Yadai, non. Et vers le monde de Kobuza. Explorer le, ouais, le monde de Kobuza. Bon, je quitte Skype, hein. Je reviens après. Salut. Hop. Voilà. Sauf sur Minecraft, t'en as pas été en chaîne, bien. Non, il a tué les Léviator. Non. Ok, alors on le tue avec quoi maintenant? Allez, on va tenter avec Venusaur. De toute façon, l'épisode est bientôt terminé. Est-ce qu'on tente de battre la reine? Je pense qu'on le battra dans un prochain épisode, bien évidemment. Histoire d'avoir plus de suspense. Bien sûr. Hop. Ok. Bon, on a tué le Dish. Est-ce qu'on tente de forcer et on passe? Non, on va aller soigner. On va aller soigner vite fait. Vite fait, bien fait. Donc on va casser ça. Ok. Donc au final, on a bien fait prendre l'inéon parce qu'il faut coupe. Donc voilà. Ok, bon au final, ils vont peut-être monter assez haut. Tous ces petits Pokémon au final, hein, les Pokémon. Hop. Ah, attendez, on a une Pokéball là. On peut pas y aller par là, ok. Donc si, attendez. On peut peut-être passer. Ok, c'est bon. Ouais, donc c'est ça qu'il fallait faire. Donc il n'y avait pas besoin d'aller affronter l'autre dans son bocal. Je sais pas trop ce qu'il est. 5 Ultra Ball. Sérieusement. Ah oui, d'accord. Donc ça va le coup au final. Ça va le coup. Hop, on va passer par là. Ok, d'accord. Non, pas du tout. C'était pas du tout un raccourci. On va donc directement passer. Ouah, il a un Steelix lui. T'as Steelix si on voit quand même. Contrairement au pont de Florizarre là qu'on peut voir en dessous. Hop, allez. On va aller soigner les petits Pokémon. Faudrait que j'aille voir limite. Attendez, on va aller voir un truc qui peut être pas trop mal. On va aller voir un truc qui peut être pas trop mal. On se Pidgeotto, donc qui va pas être Massutin ni Nidoking, mais bon après. Enfin le truc c'est qu'il faudrait que je fasse XP en. Ouais, il faudra vraiment que je prenne un moment limite en live, que je vous fasse un live ou quoi où j'ai des XP. Hop. Et moi d'ailleurs, ça peut vous plaire, c'est un live XP, disons-le. Donc, on va se préparer là, bien évidemment, pour l'arène. Donc, on va aller voir. Vite fait, bien fait, tout ce qu'il y a à acheter dans ce centre Pokémon. Wow, c'est pas du tout le centre Pokémon en fait là. Enfin, c'est pas du tout là où on achète les CT, je veux dire. C'est pas du tout là qu'on achète les CT. Ok, bon, on va aller chercher les CT. J'aimerais bien voir en fait s'il y a des attaques feu, du genre déflagration, bien évidemment. Ouais, non, c'était ici le grand centre truc là. Ok, ensuite, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais voir. On va bien voir un petit peu les attaques qui vendent. Hop, on va aller par là plutôt. Item bleu. Hop, on passe par là. Voilà, je me craquais juste les doigts, bien évidemment, le fun est présent. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui là? Alors, est-ce que c'est lui qui vend? J'avais déjà acheté des CT.
Ok, Mega Punch, c'est pas intéressant ça non plus. Mega Kick non plus. Submission. Dig, ok. Dragon Claw. Et Psy Shock. Sachez que ça peut être pas trop mal, mais je pense pas que quelqu'un peut l'apprendre malheureusement. Ok. Et après, c'est quoi Overtime? UI, c'est nul. Thunder Wave. Rugissement. Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est UI. Taunt. Ouais, bon, après. Will-O-Wisp. Non, je crois, on va pas prendre. On va aller voir qu'est-ce qu'elle vend elle plutôt. Non, counter pour 5000, non, ça va aller. Ok, mais au final, il n'y avait rien du tout à prendre de ouf. Je pensais qu'il y avait peut-être des CT de genre lance-flamme, des conneries comme ça, vous comprenez. Mais apparemment, non. Donc, c'est pas du tout fun. C'est pas du tout fun. Hop, on va partir de ce centre, bien évidemment. Et puis, ben, on va s'arrêter là. On fera l'arène, donc, du coup, dans le prochain épisode. On finira vite fait les petits dresseurs aux alentours, là, qui nous empêchent d'y aller. Puis voilà. En tout cas, merci à vous du coup d'avoir suivi cet épisode. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, tout ça, tout ça. Et puis, bien, on se retrouve dans le prochain épisode. C'était Exa. Bye bye tout le monde.